Bonjour à tous, bienvenue. Merci, merci d'être présents ce matin. Alors, on va pas dire de bonne heure, mais pas loin. J'espère que vous passez tous un bon salon. Donc, on va parler en fait de tests et d'évaluation de sécurité. Alors, on va parler de ransomware, mais ça peut en fait s'appliquer à n'importe quel type de code malicieux. Donc, l'objectif ici, ça va être de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en œuvre pour se tester et évaluer. Donc la première partie, c'est la partie renseignement. Donc c'est le point vital quand on veut faire du test ou de l'évaluation. C'est de savoir à partir de quoi on va définir en fait cette évaluation. Donc on peut imaginer différents points de recherche. Ça peut être des recherches basées sur des acteurs. Donc soit en fonction de votre industrie, de votre position géographique, de votre métier. Donc là, on va quelques exemples ici comme APT28 ou Tamparmageddon qui sont des acteurs russes. Vous avez aussi également la possibilité de démarrer votre test ou en tout cas votre renseignement à partir d'un malware ou bien tout simplement d'outils. On verra un petit peu plus loin, mais les outils aussi également sont bien évidemment utilisés par les acteurs lors de leur campagne. Vous pouvez aussi également baser vos évaluations sur des vulnérabilités. Ensuite, après, vous avez des choses un petit peu plus, peut-être un peu plus complètes aussi, comme les campagnes. Donc là, en fait, vous avez un vrai cycle d'attaque, donc avec différents mécanismes qui peuvent être utilisés. Donc pareil, en fonction de la motivation qui peut être de l'espionnage ou par exemple de la finance et donc les ransomware. L'utilisation de rapports. Donc rapports, ça, vous avez souscrit à une offre privée en fait de renseignements cyber ou bien tout simplement en allant faire vos propres recherches au SINT sur internet. Et puis enfin l'élément clé aussi qui va nous permettre de faire ces tests et cette évaluation, c'est des outils de simulation. Donc là, soit vous avez des outils d'éditeurs ou bien vous montez votre propre lab avec par exemple des machines virtuelles, une sandbox et les outils en fait pour pouvoir récupérer cette télémétrie qui vont vous permettre justement de comprendre si vos outils, en tout cas, répondent et sont à même de pouvoir vous remonter les bonnes informations lors de la simulation. Donc, on va prendre un cas d'usage. Donc, première petite image, ça vous évoque qui ? Je ne sais pas si vous voulez, quelqu'un veut participer ? Oui, Tom et Jerry, oui, bien sûr. Donc, voilà, ce chat noir en fait représente Black Cat ou Alvi. Donc c'est un acteur qui a une évolution depuis quelques années, avec des moments de creux en fait, d'arrêt. Donc on retrouve en fait ce groupe en 2020 avec jusqu'à mai 2021 avec le malware DarkSide. Ensuite après il y a eu un arrêt en fait de leurs opérations. Donc ils sont revenus en juillet et jusqu'à novembre 2021 avec un autre malware qui s'appelle Black Matter. Pareil, donc un moment de creux, donc un arrêt des activités pour revenir avec Black Cat qu'on connaît et Black Cat ou Alvi, dont le site a été saisi par les forces de l'ordre en décembre 2023. Donc si vous avez suivi l'actualité, il y a une saisie, mais ensuite après, ils ont repris quand même leurs activités. Donc le statut aujourd'hui, c'est que visiblement, ils ont effectué un arrêt en fait des opérations à partir du 5 mars. Donc là, en fait, en faisant des recherches, nous, avec notre outil de renseignement sur le dark web, on voit effectivement qu'il y a un arrêt depuis cette date-là. Le risque qui pourrait aussi également être amené, c'est la vente du code source ou tout simplement son leak, et donc il pourrait être réutilisé par d'autres acteurs. Donc ça, qu'on l'a vu par exemple avec Lockbit. Donc là, l'objectif, même si pour l'instant ils sont en arrêt, donc il y a peu de chances qu'on retrouve le malware en lui-même, c'est juste là pour la démonstration, de comprendre un petit peu comment on peut faire son test et son évaluation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut prendre n'importe quel type de malware. Donc là, ici, vous avez un exemple de campagne. Donc cette campagne, elle est relativement complète avec la compromission initiale via du phishing. Donc là, en l'occurrence, à travers du SMS. Donc on a récupéré, en fait, l'acteur a récupéré en fait les credentials qui lui a permis en fait de rentrer sur le réseau de l'entreprise. Et puis ensuite, après, vous avez tout un tas d'outils qui sont utilisés, donc les outils un peu classiques, on va dire, comme l'escalation pour faire l'escalation de privilèges. Ensuite, après, bien évidemment, vous avez la reconnaissance. Donc
je pense que vous ne voyez pas très très bien, mais ce sont des outils tout à fait classiques hein, d'outillage, d'administrateur de réseau. Ensuite, après, vous avez le mouvement latéral qui se fait avec du RDP, du SSH. Donc, on est encore une fois sur des choses assez classiques. Et ensuite, après, l'installation d'outils de prise en main à distance. Et là, encore une fois, on est encore sur des outils qui, parfois, ne vont pas générer en fait, d'alerte ou d'incident de sécurité, puisque en fait, ce sont des outils, encore une fois, qui peuvent être utilisés pour la maintenance et autres. Enfin, vous avez l'extraction des données, des informations, qui sont faites, encore une fois, avec des outils tout à fait basiques, qu'on retrouve et qui ne vont pas forcément générer en fait, d'alerte ou d'incident. Et à la fin, vous avez le déclenchement du ransomware, pour la définition de la note pour le client. Donc pour la démo, on va faire ça en fait en trois phases. Donc l'objectif, c'est d'utiliser des outils pour justement, dans un premier temps, aller rechercher de l'information. Hop, je suis un petit peu trop vite. Voilà, donc là, moi, je vais utiliser mon portail de Threat Intel, mais encore une fois, vous pouvez faire vos recherches à l'aide d'autres outils. Donc à partir de là, j'ai ma base d'informations qui me remonte un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. Donc là, en fait, ça me retourne en fait un certain nombre d'éléments. Donc là, par exemple, le malware, je peux retrouver en fait toutes les campagnes. Donc si on n'a pas assez de temps, mais on pourrait rentrer en fait dans le détail. Les différents acteurs aussi également qui en fait, ont utilisé ce ransomware. Les différents malwares, on a deux versions hein, pour Alvi, qui est une version Windows et une version Linux. On voit aussi qu'on a des vulnérabilités qui ont pu être utilisées lors de campagnes pour justement le déploiement de celui-ci. Et enfin, on a la partie rapport qui là va nous permettre justement d'avoir tous ces renseignements pour pouvoir imaginer en fait son test. Désolé. Petite fenêtre. Donc là, on va prendre ce premier rapport qui va nous permettre en fait d'avoir une description très complète. Donc c'est pareil, je vais le passer assez rapidement hein, ce rapport, mais donc l'objectif c'est de bien comprendre où on va aller chercher ensuite après son information. Voilà, donc là, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Donc là en fait on a tout un tas d'éléments à la fois stratégiques et techniques pour ce rapport. Donc là comme par exemple ici la répartition des attaques. Donc on voit que en fait c'est essentiel. Un grand nombre d'attaques ont eu lieu en fait en Amérique du Nord, mais en Europe, on en a quand même pas mal. Au total, je crois qu'on était arrivé à un peu plus de 500 entreprises qui avaient été touchées par ce ransomware. Et ensuite, après, voilà, on a toutes les descriptions de celui-ci, comment il fonctionne, quelles sont les vulnérabilités qui ont pu être utilisées, etc. Et puis, en fait, on a d'autres descriptions, comme par exemple le panneau de configuration. J'y arrive. Voilà. Dans le fonctionnement, voilà les panneaux de configuration pour le fonctionnement, l'utilisation en fait du ransomware et de ses commandes. Voilà, donc ça c'est un premier rapport. Ensuite, après, je peux en utiliser un autre. Donc, je vais réduire à nouveau la taille de mon écran. Voilà. Ça va aller plus vite. Et donc là, dans le profil, c'est à partir de là où aussi également je vais pouvoir retrouver d'autres éléments techniques pour établir mes recherches. Et donc là, en fait, je vais avoir ici l'ensemble des artefacts qui vont me permettre d'aller regarder, de tester, de vérifier en fait si mon malware en fait est bien à minima détecté ou en tout cas les informations qui sont remontées. Donc pourquoi on va jusque-là? L'objectif, c'est bien de comprendre qu'ici, on a un certain nombre d'exécutions ou de commandes ou de modifications au niveau du système qui sont faites, qui sont en fait des choses relativement simples. Donc on peut traquer en fait assez simplement avec l'outil ou avec le SIEM. Donc là on a la modification des clés de registre et là en fait on va avoir tout un tas de commandes. Et donc là l'objectif ça sera ensuite après d'aller rechercher en fait ces commandes si on les a bien vues au niveau de l'outil. Voilà, donc ça c'est la première chose, recherche d'informations. Maintenant j'ai compris comment fonctionne le ransomware. Je vais le lancer, je vais l'émuler.
Donc avec, nous on a un outil qui s'appelle Security Validation qui me permet en fait d'exécuter un petit peu tout ce que je veux dans une espèce de sandbox, donc ce qu'on appelle le Protected Theater. Donc là-dedans, j'ai chargé une machine avec l'OS Windows 10, Sysmon dans notre cas pour la démonstration, donc on va être en mode monitoring. Et ensuite après, j'ai mon outil CMSOR, Google Chronicle SecOps, qui va me permettre en fait de bien valider que mes événements sont générés. Donc ça c'est les fondamentaux dans l'émulation. Donc, on pense à faire deux types d'émulation. La première avec l'outil de sécurité en mode blocage. Donc là, en fait, on s'assure que l'outil en fait bloque complètement le malware. Et ensuite, après, on tourne l'outil en mode monitoring. Et là, l'objectif, c'est bien de comprendre et de voir en fait que toutes les commandes qui sont lancées ou toutes les modifications système qui sont lancées remonte bien dans le CIEM. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir cette visibilité. Alors comment je vais faire ça? Ici, donc j'ai mon outil de recherche. Alors comme je suis un peu feignant, j'ai déjà en fait préparé les recherches. Alors je l'ai fait en langage naturel. Donc, ça vous montre aussi également l'intérêt d'avoir de l'IA aussi. Donc parfois on peut avoir des difficultés à comprendre les types de champs qu'on peut chercher. Donc là, l'outil va le faire lui-même. Donc là, c'est pareil, je vais agrandir un petit peu. Donc là, je cherche en fait les fichiers créés contenant file.txt. Hein, si vous vous rappelez, au niveau de mon profil tout à l'heure, c'était ce que j'avais un tout petit peu plus haut dans les artefacts. D'accord ? Voilà, donc encore une fois, l'objectif ensuite après, donc là, de temps que ça se charge, ça va être d'aller rechercher en fait les différentes commandes qui sont lancées, qui sont des commandes système. Donc je retourne sur ma recherche, décidément. Bon, pour les plus âgés, hein, c'est l'effet Bonaldi. Ça marche très bien hier. Mince. Bon, alors, j'ai un petit blocage là de. Bon, on va le faire avec les screenshots. C'est pas grave. Voilà, donc ensuite après je vais réaliser en fait mes recherches. Donc l'objectif ça va être de rechercher que mes commandes sont bien exécutées et ensuite après depuis ces commandes de créer en fait des règles de recherche en fait de ces commandes qui ont été exécutées pour pouvoir ensuite après faire du hunting sur l'ensemble en fait de mes postes, enfin, des événements qui ont été générés en fait par mes postes pour savoir si on n'a pas retrouvé en fait cette attaque quelque part. Donc là l'intérêt ensuite après c'est bien évidemment de se dire pourquoi est-ce qu'on va chercher du shadow copy ou du delay de shadow. Bah, tout simplement parce que ce sont typiquement des commandes qui peuvent être utilisées par d'autres acteurs. Donc c'est là l'intérêt, c'est qu'en fait en faisant ces recherches et cette analyse, je vais pouvoir en fait identifier d'autres acteurs qui utilisent en fait ces commandes. Donc là on retrouve le Alvi, mais je peux avoir par exemple Logbit qui va aussi également l'utiliser. Donc si je fais rechercher en fait dans son profil. Voilà. Donc ici, je retrouve bien en fait les mêmes types de commandes. Donc là, mon objectif, c'est vraiment d'aller rechercher tous ces éléments. Je vais revoir si l'accès internet est revenu. À ce niveau-là, ça a l'air d'être bon. Voilà, on est reparti. Voilà, je génère en fait avec mon IA, je fais ma requête. Et donc là, je vais aller vérifier en fait que j'ai bien mes fichiers modifiés. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'agrandis un petit peu. Donc là, j'ai bien mes créations de fichiers avec l'ensemble des commandes qui ont été lancées. Donc je vais refaire la même chose, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la recherche de certaines commandes exécuté. Donc là, cette fois-ci, je vais chercher toutes les commandes qui utilisent CMD avec les commandes VSS admin ou shadow copy. Donc encore une fois, hein, j'utilise l'IA qui me génère en fait cette requête de recherche. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Donc là, j'ai bien mon shadow copy qui est présent ici, j'ai mon VSS admin. Donc là, en fait, j'ai bien vérifié et validé que dans mon évaluation et dans mon test, j'ai bien en fait ces commandes qui sont, euh,
qui sont remontés au niveau de mon CIEM et donc ont bien été remontés par, par mon outil de monitoring et donc en l'occurrence, dans mon cas, l'EDR. Donc là, on a fait l'investigation et ensuite, après, on va pouvoir faire une recherche. Donc, pareil, je vais générer en fait une règle de recherche. Et donc l'objectif, c'est que maintenant, si j'ai des exécutions de malware autres que, par exemple, Alvi, je vais pouvoir donc couvrir d'autres types de malware qui pourraient potentiellement exécuter ces commandes. Je vais juste rajouter le no-case pour éviter, enfin pour prendre en compte tout type de commandes, quelles que soient en fait les caractères, si j'ai des majuscules et des minuscules. Voilà, j'enregistre ma règle, je vais faire ma recherche sur les dernières 24 heures, juste pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Voilà, donc là je crois que j'ai effectivement bien mes détections qui sont arrivées. Donc du coup, bah, maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre en mode alerting et je vais faire un retro hunt sur une journée. Bon, c'est assez rapide, hein, l'outil est... Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir retrouver mes alertes ici. Donc elles ont bien été générées. Donc si j'ai quel que soit le type de malware maintenant qui vont utiliser ces types de commandes, donc de suppression du cache système Windows ou des backups, en fait, on va être en capacité donc de les détecter automatiquement. Voilà, donc ensuite après j'ai tout un process avec le SOAR hein, qui va tout automatiser les différents éléments. Donc en fait, juste pour résumer un petit peu ce qu'on a pu voir avant de passer aux questions. Donc là l'objectif c'était vraiment d'aller un petit peu plus loin dans la recherche et dans le test pour justement pouvoir détecter différents types de malware basés sur des, on l'a vu, hein, sur des commandes relativement simples et usuelles. Donc on est vraiment plutôt en haut de la pyramide au niveau de la recherche. Donc ça demande bien évidemment un petit peu de recherche sur les différents malwares, acteurs, etc. pour bien comprendre un petit peu ces différents mécanismes, que juste s'arrêter sur une détection finalement, un hash, IP, un domaine. En fait, tout ça change en fait, hein, au niveau des malwares, les infrastructures changent. Il suffit de rajouter un espace dans le code et le hash change aussi également. Donc les infras avec les noms de domaine aussi également. Alors donc là, l'objectif, encore une fois, c'est de prévenir entre la brèche et l'impact les différentes étapes dans le cycle de compromission, donc que ce soit par exemple l'utilisation d'outils. Donc là, on l'a vu avec quelques commandes, hein, l'objectif, c'est vraiment d'amener en fait l'outil à aller rechercher ou à détecter en fait d'autres types de commandes au niveau du système. Voilà, et ensuite après on rajoutera la réponse automatisée. Bon, je pense que ça a dû d'ailleurs être peut-être effectué automatiquement. Non, pas encore, donc ça prend quelques minutes, hein, j'ai de l'enregistrement ensuite après avec Mendiant et Virus Total. Voilà, je sais pas si on peut passer aux questions maintenant. On a encore un peu de temps, sinon ouais. Ouais, ok, d'accord. Voilà, donc après, on peut peut-être... voilà, donc là, en fait, effectivement, donc vous voyez ici, j'ai l'alerte qui a été en fait traitée par mon SOAR. Et donc, du coup, j'ai effectivement tout l'enrichissement qui a été réalisé. Donc là, en fait, ici. Et donc, je vais avoir tout l'enrichissement qui va être fait avec les différentes entités qui ont été détectées, comme par exemple le hash et autres. Voilà. Donc, bon, alors après, en fonction des outils, peut-être une petite démo, un truc un peu sympa. Par exemple, bah, c'est quoi Shadow Copy ? Donc là, tout l'intérêt, en fait, d'avoir une base documentaire et puis l'IA. Donc, nous, on a développé nos propres modèles, hein, bien évidemment. Donc, je peux poser des questions à l'outil et puis il va me répondre en me donnant, en fait, plus de précision. Donc là, bah, c'est quoi Shadow Copy ? Donc, il va m'expliquer exactement ce que ça fait. Donc, ça permet aussi également de faire potentiellement de l'apprentissage, même si là, je pense que j'ai que des experts dans la salle. Donc, vous savez tout ce que c'est.
Et ensuite, après, je pourrais utiliser l'outil également pour faire une... Je vais lui demander d'aller me lister, en fait, des ransomware qui pourraient potentiellement utiliser cette commande. Voilà. Donc, le tout en français. Si j'ai fait des fautes d'orthographe, c'est pas très très grave. Hein. L'IA corrige tout ça par elle-même. Et donc là, on retrouve en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport à notre règle de détection, d'alerte et de hunt qu'on a pu faire, bah, les différents ransomware, enfin, tous ne sont pas listés, hein, bien évidemment, là, dans le, c'est juste un résumé qui est réalisé. Donc on va retrouver, je vais agrandir peut-être pour ceux qui sont au fond. Voilà, donc là, je vais retrouver par exemple Logbit, Ryuk et autres avec leur commande. Voilà, et ensuite, après, j'ai les liens vers les profils. On revient en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Merci. Très bien. Merci et bravo pour votre conférence. On peut vous applaudir, Vincent. Merci beaucoup. Et vient maintenant le temps des questions-réponses. Vous êtes encore une fois nombreuses et nombreux. Nous vous remercions de votre présence. N'hésitez pas à lever la main et nous irons vous faire parvenir un micro. Oui, monsieur, au fond. Alors, je vais venir auprès de vous. Voilà, mettez bien le micro sur le menton pour que tout le monde vous entende. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressante. Comment est-ce que les outils type Mandiant gèrent les strings de malware qui sont en obfuscation ? Alors, déjà, premièrement, nous, on ne propose pas d'outils de protection d'analyse type, par exemple, EDR ou antivirus. Par contre, on va s'appuyer, nous, sur les événements ou les éléments qui vont être récupérés en termes de télémétrie par ces outils pour ensuite, après, les faire analyser par des règles qu'on aura, nous, créées et, par exemple, déployées, en fait, sur ce type d'outils. Donc, en fait, nous, simplement, ce qu'on va faire, c'est la lecture des éléments qui vont nous être envoyés. Après, là, si on parle de strings qui seront, par exemple, dans le fichier, donc si on n'a pas ces éléments, on a après d'autres choses, comme par exemple, si c'est du PowerShell qui va être par exemple, chiffré en base 64, ça, par contre, on va être en capacité de le décoder, mais on a l'information. Donc, si on n'a pas l'information qui est remontée, on aura du mal, en fait, à le voir. Donc là, du coup, l'objectif, c'est effectivement d'utiliser l'EDR pour aller, par exemple, nous, on fournit des règles Yara, qui, elles, ont ces éléments, par exemple, de détection. Et ensuite, après, ces règles IRA sont déployées sur les postes. Et là, ça va être le job de l'EDR, par exemple, d'aller rechercher ces éléments sur le système. Voilà, ça répond à votre question ? Ouais. Attends, une autre question. Une autre précision parmi le public. Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes arrivés à terme de votre conférence. Bah, très bien, merci beaucoup, en tout cas, de votre écoute.